Okay, so. Alors, ok. Avançons. Please don't get on the camera here, so let's wait for you to get started. We're going to end by talking about three conflicting ideals that coexist, that are unavoidable, but that, as I've already said, conflict with each other, that's development, democracy, and human rights. Nous allons parler des trois idées conflictives, mais qui doivent exister. Et d'ailleurs, le conflit, c'est un développement dans les droits humains. Donnelly argues that development and democracy have both become hegemonic political ideals, just like human rights. Donnelly pense que développement et démocratie sont devenus hégémonique comme les droits humains. So regimes that don't provide development and participation, respect for human rights, all three, et qui n'est pas les droits humains, écartent leur légitimité au niveau de la communauté internationale. What legitimacy is a political science term? Does anybody know what it means? Légitimité, c'est un terme en science politique. Que veut dire légitimité? Vous savez ça? Nobody? Légitimité, c'est quoi? C'est le fait d'exercer ou d'imposer des actes suivant les normes, suivant la loi. He thinks that legitimacy means acting conform to the norms and the law. Okay, well, obviously it depends on the regime, you know, and the country that you're located in. Because obviously there have been throughout history individuals who were deemed legitimate rulers, but nonetheless ruled by diktat, that is to say. They say what the law is on that day, and that's what the law is on that day. Il est important de comprendre que la légalité n'est pas nécessairement légitimité. Parce que dans les cours de l'histoire, il y a des régimes où les gens se sont imposés par dictature et on dit qu'ils sont légitimes, mais pas nécessairement, ils peuvent être légal, pas légitimes. Is known as a leader. Yes, but why? Why would he be accepted as a leader? Pourquoi il veut être reconnu comme un leader? Bon, par rapport aux éléments qui font que ça devienne. Par exemple, pour être président, on doit être élu. Deux, il faut que les résultats de votre élection soient approuvés et par la communauté internationale et par la communauté nationale. Et aussi, de trois, ça doit aussi être confirmé par la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire, quand on fait référence aux critères pour avoir tel pouvoir, tel poste, et si on répond à ces critères-là, on est reconnu, on a aussi la partie légitime dans ce sens-là. You get recognition to him, upon him, which is legitimacy, if you fulfill the requirement, the criteria, for instance, to be president. You must be elected. The election must be accepted by the international community and the national community, and the constitutional court must proclaim that the election that you are the leader. And at the moment, you are the recognized leader with legitimacy. Okay. All right, so in the democratic system, that's probably more or less accurate. I mean, you know, it varies according to democracies, but basically you met the constitutional rule that lead to you assuming the office of the presidency, right?
Oui, dans les systèmes démocratiques, cela peut être probablement vrai, mais pas nécessairement dans tous les cas. Donc vous pensez que si c'est la Constitution dit que vous êtes président, vous êtes légitime. But there are other theories through history. China had the mandate of heaven. Il y a d'autres théories dans la littérature. Par exemple, la Chine avait des gens qui avaient le mandat du ciel. Western states prior to the development of democracy had the divine right to rule of kings, right? Et les rois avant l'avènement de la démocratie avaient le don. In communist countries, it was unclear. In communist countries, things were not clear from the outside. How it was that somebody rose to power internally within the communist party. It was not transparent, as the expression goes. But obviously, there were some internal rules that led to somebody assuming the mantle of leadership in communist party countries, including the Soviet Union, the former Soviet Union, North Korea. Dans les pays communistes, que ce soit l'Union soviétique, que ce soit la Chine, et on ne savait pas comment est-ce que quelqu'un est venu le leader accepté, mais il y avait certainement des règles un peu opaques. À l'intérieur, on savait qui devenait les dirigeants par rapport à ces règles-là qui n'avaient pas une certaine transparence. In any event, let's suppose by whatever means you reach the top, you become the president or the premier or whatever the name is given to the highest post in your country. Mais maintenant, de toute façon, supposons que vous devenez le premier, l'empereur ou le roi ou quoi que ce soit, et vous prenez le plus haut sommet de votre pays. And let us suppose that at that point you start violating citizens of your country's human rights. You fail to engage in developments, thereby raising the level of the standard of living for your citizens. And let's suppose that your term in a democracy has come to an end, and you refuse to stand for re-election. So you violate the procedural rules of the democracy in which you have been elected. Okay. À supposer que vous êtes le numéro un de votre pays, et ça n'importe comment vous êtes arrivé là-bas au sommet, vous êtes là. Et dès que vous êtes là-bas, vous commencez à violer les droits humains de votre peuple. Vous n'élevez pas leur niveau de développement. Et leur niveau de vie ne monte pas. Et vous ne voulez pas quitter quand les élections sont dues. In any event, if you do any of these things, then you potentially lose the mantle of legitimacy that your particular country offers to you. Quand vous faites ces choses, vous perdez la légitimité que votre pays vous a donné malgré. But the problem is, as a historical matter, that these three objectives, human rights, development, and democracy, can be at odds with each other. Dans l'histoire, ces triangles, droits humains, développement et démocratie, peuvent être pris ensemble. Donnelly argues that international human rights norms require a democratic government. Et Donnelly lui argumente que les droits humanitaires international n'exige pas une démocratie. A democratic government, however, is not necessarily required for purposes of development. It may even be counter to the interests of development. Et un régime démocratique n'est pas nécessairement sur le développement. D'ailleurs, il y a beaucoup de fois où la démocratie c'est un frein au développement. If you look at, for instance, South Korea,
During the years it was developing, it was not a democracy. It didn't become like a democracy. Si vous regardez les pays comme la Corée du Sud, pendant sa genèse, quand c'est développé, ce n'était pas une nation démocratique. En tout cas, il n'y avait pas de normes démocratiques. And if you look at the entire history of the industrialization of the West, you would discover that in fact it was not founded in democratic ideals. Et même quand vous regardez l'industrialisation des pays occidentaux, vous allez découvrir que ces pays n'étaient pas fondés sur des idéaux démocratiques. So the first question we have to ask is, what is a democracy? Donc la première question que on se pose, c'est quoi la démocratie? Obviously, if you go all the way back to Athens, which was arguably one of the very first, if not the first democracy. Eh bien, si vous allez à Athènes, qui était la première démocratie, en tout cas parmi les premières démocraties. Democracy was exclusivist. That is to say, many people were excluded from participation in democracy. La démocratie durant à l'Athènes là-bas est exclusive. Il y a beaucoup de gens qui sont exclus d'être partie de la démocratie. Obviously, women were excluded. Certainement, les femmes étaient exclues. Women in Greece had a particularly harsh existence, especially in Athens. Les femmes en Grèce antique avaient des difficultés, et surtout à Athènes. They were actually better off in Sparta, where they were permitted to run the business affairs of the state. Et ils étaient mieux encore que quand on faisait les affaires de l'État. Also, slaves, foreigners, anybody who was not officially a male citizen of Athens was not permitted to participate. Tout homme qui n'était pas un homme citoyen de la Grèce antique n'était pas comme participation démocratique. Donc, les femmes, les esclaves, les étrangers étaient tous exclus. Only in the last two centuries has the concept of democracy been transformed to mean the will of the people, as in the whole people. Alors, seulement dans les deux dernières centuries qu'on a reconnu la démocratie, vous pouvez voir que c'est pour le peuple et tous les peuples. So what has happened is that the inclusivity of democracy, the concept of equality and equal participation in democracy has grown very, very slowly over time. Donc nous avons eu ici l'inclusivité de la démocratie est venue naître, et ce qui a fait que même la participation inclusive au fil du temps est devenue la norme. A government which rules in the interest which ruler, a government in which rulers act in the interest of the ruled is not a democracy but merely a patrimony. In interest of the ruled is not a democracy but a patrimony. La patrimonie, c'est le système politique dans lequel on est dirigé pour les intérêts de ceux qui dirigent. Although certainly political scientists would argue that there's a trusteeship aspect being a leader in a democracy in any event, because there are times when one must do something that is in the interest of one's country, but not necessarily a popular thing to do. Mais alors, les politiques, les scientifiques, les intellectuels, les politicologues vont argumenter que oui, la démocratie est là, mais le moment où la personne va faire quelque chose qui est dans l'intérêt du pays, mais qui ne va pas nécessairement être la chose populaire à tout le monde. And in fact, the late President Kennedy wrote a book called The Profiles in Courage, for which he won a Pulitzer. And basically it describes instances where a politician sacrificed his own career, his political career, in order to do the right thing. D'ailleurs, nous avons un livre écrit par le président Kennedy où il a dit les profils de courage. Il a dit qu'il y a des moments où les dirigeants vont faire la chose la moins populaire possible, mais qui est la chose la meilleure à faire.
To be a democracy, people must not merely benefit from good governance, but they also must be the source of the government's authority. Pour être une démocratie, il ne faut pas seulement que les peuples bénéficient de la démocratie, mais ils doivent être la source de l'autorité démocratique. Donnelly stresses the conception of democracy as procedural meaning, of course, for unfair elections. Donnelly pense, lui, que la démocratie, c'est une procédure, c'est un processus qui amène vers les élections. The problem is, and this is a confusion that even Jimmy Carter, whom I have the highest regard for, suffers from. Le problème est que c'est là justement où les gens, même les mêmes personnes comme Jimmy Carter, que j'ai beaucoup de respect, a eu des problèmes pour comprendre la démocratie. And that is that such elections, that is free and fair elections, are insufficient to guarantee human rights. Vous savez que les élections qui vont être justes et honnêtes ne garantissent nécessairement pas les droits humains. The idea is that if you have the vote, l'idée est que si vous avez les voix, les votes, then you can adequately protect your interests by the way you cast your vote. Donc vous pouvez protéger vos intérêts par rapport à votre vote. But obviously the problem with that is that that's true as long as you happen to be in the majority and your candidate wins. Et ça c'est vrai si vous êtes la majorité, que c'est votre candidat qui est au pouvoir. But there are always minorities, even, you know, obviously there are racial minorities, ethnic minorities, but there are simple political minorities at all times. Mais vous savez qu'en tout moment, il y a des minorités politiques. Ça peut être basé sur la race, ça peut être sur l'ethnie, ça peut être basé sur d'autres. À tout moment, il y a des minorités. It is obviously true that democracy and human rights share a commitment to the ideal of equal political dignity for all. Il est certain que la démocratie et les droits humains partagent les mêmes valeurs, qu'il faut une égalité de dignité pour tous. But the problem is, is that democracy, the purpose of democracy is to empower the people. Le problème est que le but de la démocratie est de donner le pouvoir au peuple. Whereas human rights aims to empower individuals. Et ce n'est pas là-bas qui est quand les droits humains visent à donner le pouvoir aux individus. As a result, human rights are inherently anti-democratic. Et vous allez voir que les droits humains sont d'une manière naturellement antidémocratique. And that's because they limit popular sovereignty. Parce qu'ils limitent la souveraineté populaire. But of course that's a good thing. Mais la meilleure chose, it's kind of like entering into a contract of adhesion. C'est comme entrer en contrat, dans un contrat avec adhesion. Adhesion. Common code, like glue. Entrer dans un contrat qui vous lie. Or entering into a contract that has an illegal purpose or objective. Mais ce contrat a des buts et objectifs illégaux. The point here is that you want to limit popular sovereignty. Insofar as there are some things that even in a democracy would be unlawful to do. Vous voulez limiter la popularité, populaire. Sovereignty. Vous voulez limiter la souveraineté populaire, même quand c'est la chose qu'il fallait faire démocratiquement. So, for instance. Par exemple. I'm sorry, I'm losing it. John Stuart Mill was a utilitarian. There we go. If you look at utilitarians, and he was certainly a forerunner to popular conceptions of democracy and of human rights. Vous connaissez John Stuart Mills, était utilitarian, et il croyait la partie populaire. But let us suppose in a utilitarian model that what you want to do is find out what the most people
number, the largest number of, what would make the, excuse me, I'm having difficulty talking. What would make the largest number of people happy? À supposer que vous êtes dans le modèle de John Stuart Mill, qui est italien, et que vous voulez voir qu'est-ce qui rendrait la majorité de mon peuple heureux. And that would be measured by a fictional measurement called utils, U-T-I-L-S, utils. Et ça serait mesuré par les utiles. So let's suppose that the thing that would make the most people happy in the United States would be to make Bonnie Brennan a slave. Et c'est qui serait qui rendrait tout le monde, la majorité des gens heureux en Amérique, c'est de rendre, de faire les professeurs Bonnie Brennan esclaves et les gens seront en majorité heureux. Then, if you were concerned merely with popular democracy, that would be permissible. Alors, si vous êtes pour la démocratie populaire, cela sera permissible. If the greater good would be served by enslaving Bonnie Brennan, si le plus grand bonheur sera servi en rendant les professeurs Bonnie Brennan esclaves, then again that would be permissible if you were concerned only with popular sovereignty. Cela serait possible si vous ne croyez que à la souveraineté populaire. Plus les gens seront heureux qu'ils soient esclaves. Et l'esclave. Excuse me. And obviously, the United States does a popular democracy, though the first democracy, the first constitutional democracy on earth, permitted slavery for the first half of its history. Et vous savez que pour la première moitié de son histoire, la première démocratie constitutionnelle des États-Unis avait autorisé les esclaves sur cette base. So the reality is then, this is obviously popular sovereignty can be a very bad thing, and this is called the tyranny of the majority. Et ceci s'appelle la tyrannie de la majorité. La démocratie, quand c'est juste de la popularité, c'est une très mauvaise chose, parce que les gens qui sont les plus servis vont faire du mal aux autres. Ça s'appelle la tyrannie de la majorité. The Supreme Court justice that just died, whose name I'm missing? Scalia. Antonio? Yeah, Antonio Antia. I never forget his name quite right, Scalia. He was not the Chief Justice, but he was very, very influential, particularly, he was pretty much the leader for a very long time of the conservative branch of the court. La partie conservatrice de la Cour suprême de justice des États-Unis, la plus grande cour, la plus haute cour, M. Antonin Scalia, n'était pas vraiment le même, mais il était considéré comme la voix la plus importante de la partie conservative de la Cour suprême de justice des États-Unis. And it was his opinion that the Constitution, that portion of the Constitution that creates the democracy, was, in his opinion, the most important part of the democracy, and he saw the Bill of Rights, that is that portion of the democracy, excuse me, the Constitution, that limits popular sovereignty as a mere add-on, and therefore should not be treated with the same dignity or respect as the rest of the Constitution, if you will. Il a pensé que la partie de la Constitution des États-Unis, qui est la Déclaration des droits, était la plus importante parce qu'elle a limité, justement, la démocratie populaire et qui servirait mieux la démocratie. And this, of course, was deeply concerning to those of us who believe in human rights. Et ceci était dangereux pour nous qui croyons aux droits humains. In any event. De toutes les façons. excuse me. The reality then is that even if it is true that human rights are anti-democratic. Même si c'est vrai que les droits humains sont antidémocratiques, they're absolutely necessary. Ils sont nécessaires. So basically, from a human rights perspective, not just any democracy, but du point de vue des droits humains, pas toute démocratie va faire ce que nous cherchons. It has to be a particular species of democracy. Il y a certaines espèces de démocratie.
that is a liberal democracy. Et ce que nous croyons la démocratie libérale. And what that means, of course, is that not only does a this a liberal democracy not only has as its foundation popular sovereignty, but it is also limited by human rights. La démocratie libérale a certainement la souveraineté populaire, mais elle est limitée par les droits humains. So, the democratic revolution of the 80s and 90s did not necessarily alleviate human rights abuses because they were democracies merely and not liberal democracies. Et les mouvements de démocratie de 1980-90 n'ont pas réellement accompli la mission parce qu'elles n'étaient pas des démocraties libérales, elles étaient des démocraties uniquement et cela n'a pas limité les abus des droits humains. So the point then, from Donnelly's point of view, donc, Donnelly lui pense à ce moment-là, is that liberal democracy puts democracy in its proper place, and that is subordinate to human rights. Et d'après Donnelly, c'est que la démocratie libérale a mis la démocratie à sa propre place en la subordonnant aux droits humains. Hence, the struggle for human rights can be eroded if electoral democracies are treated as a reasonable approximation of liberal democracy, and that is what Jimmy Carter has been accused of doing. Et le problème même qu'on accuse M. Jimmy Carter de faire est de croire que la démocratie, dès qu'elle est jugée par les élections, et qu'elle est approximativement à la défense, et qu'elle devient maintenant une démocratie libérale. C'est ça qu'on reproche à Jimmy Carter. Il fait accepter les élections, quoi que quand c'est bien fait, alors que les droits des individus sont abîmés. Donnelly is concerned that the U.S. grossly overestimates the mechanism of elections to provide for human rights. Et Donnelly pense que les États-Unis exagèrent de croire que les élections vont réellement donner les droits, vont garantir les droits humains. In addition to the need for democracy, that is electoral democracy and popular sovereignty, and of course human rights, Donnelly is partial to the concept of redistributive growth. Il pense qu'au-delà de ce concept que nous avons, y compris redistributive growth. No, I'll get that. First, Donnelly is partial to the concept of redistributive growth. Yes, before the two words. In addition to development and democracy. Excuse me, in addition to democracy and human rights, he's partial to redistributive growth as the foundation for development. Alors, Donnelly pense que la base du développement, c'est la croissance distributive en addition à la démocratie électorale et popular what? Popular sovereignty. Et la souveraineté populaire. Okay. When he talks about redistributive growth in the context of development, what he means is sustainable growth of per capita GDP. Il pense que quand il parle de la croissance redistributive, il pense que quand la croissance est vraiment là, on va sentir sa redistribution et ça va donner les produits intérieurs bruts. Intérieur brut, c'était ces choses de très vaste. So for instance, right now in the United States, we are still growing along nicely in terms of GDP. Aux États-Unis, nous sommes en train de nous continuer à grandir en termes de produits intérieurs bruts. So if you were to take GDP and you were to divide it by the number of people in the United States, we look like we have nice per capita GDP. Et si vous voulez voir per capita les gens vivent, on voit les taux de croissance des États-Unis. Si la population, on dirait que nous sommes vraiment bons aux États-Unis parce que c'est vraiment une croissance qui est vraiment là. On voit les cadres macroéconomiques qui montrent qu'il y a une croissance à même à un niveau respectable. But the real issue is, even if per capita GDP is merely
a gross measurement. What you're really trying to get to with it is whether there is some reasonable distribution of goods and services such as that everybody partakes of. Mais au lieu de voir seulement les cadres de macroéconomique et voir la croissance économique en termes de pourcentage, mais de savoir est-ce que les gens à l'intérieur là-bas, est-ce qu'on a redistribué que les gens là-bas ont bénéficié ou on a seulement vanté un certain chiffre de croissance de macroéconomique. So at the very least, you're looking at having a floor below which nobody may fall. Et vous êtes en train de voir un étage qu'on a construit qui réellement n'est pas arrêté parce qu'en bas, il n'y a pas ces gens qui sont là. Ideally, what you're looking at is a strong middle class that supports the democracy. Ce que vous voyez là-bas, c'est une classe moyenne qui bénéficie des systèmes qui sont en train d'appuyer que ça marche. The problem here is that there are trade-offs between development and human rights. Et le problème ici, il faut qu'il y ait cet équilibre entre développement et droits humains. One of the things that I'm sorry, I can't think of the sociologist who originated the concept in connection with the UK. Protestant work ethic. Max Weber. Weber, yes. Okay. I think Durkheimer is the first one. But anyway, the basic idea was that in the UK, they actually sort of rewrote Christianity to support the growth of capitalism. Vous savez qu'avec la pensée de l'éthique protestante du travail, avec le travail de Max Weber, il a pensé qu'ils ont réformanté le christianisme pour se conformer de croire que la croissance est égale au christianisme. So, and the reason why there was a need to do this. Il y avait un besoin pour le faire certainement. It's the so-called needs and EEDS trade-off. Il y avait l'équilibre des besoins. And what that means is that there will, during the early stages of capitalism, be relatively high degrees of absolute poverty that have to be accepted in order to maximize investment. Et ce qui était là qu'au début du capitalisme, il y avait un niveau de pauvreté tolérance, tolérée pour garantir, justifier les investissements. So, one of the things that happened is there was this sort of underlying assumption that if you were poor, it's because you deserve to be poor somehow. Alors, ils ont compris, ils ont commencé à expliquer que si vous êtes pauvre, c'est votre faute d'être pauvre. That you were perhaps lazy or you were immoral or something like that. Et il est probablement que vous êtes paresseux ou vous êtes immoral. So therefore, you deserved your lot in life. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé, la pauvreté. But the reason for this is that the government must constrain consumption to capture the largest total of available resources for investment. Et ici, le gouvernement doit vraiment se restreindre pour que les gens ne pensent pas qu'on va utiliser le maximum de taux d'énergie pour le développement en oubliant la partie droits humains. Because you have to start, of course, by investing in infrastructure. Par exemple, on veut commencer à investir dans les infrastructures. You need roads, you need possibly railway lines, you need water, you need specifically clean water, you need to extend the electricity. All of these things have to be done before in order to establish an industrial system. Certainement que si vous voulez établir industrialiser un pays, vous aurez besoin certainement de l'infrastructure, donc les routes, vous aurez besoin des trains, vous aurez besoin des voies fluviales, vous aurez besoin de l'eau propre dans les maisons, et vous aurez, toutes ces choses là-bas doivent être là pour garantir l'industrialisation d'un pays. And the reality is
that if individual citizens are spending all their money on consumption, they're not saving it and it's not being invested. La réalité est que si les gens utilisent tout l'argent dans la consommation et que ce n'est pas investi, là ça fait se créer un autre problème. Second, there's an equality trade-off. Deuxièmement, il faut qu'il y ait aussi un équilibre d'égalité. And that means that during the transition to a modern economy, quand on va faire la transition de l'économie archaïque à l'économie moderne, the inequality of the distribution of income will increase and only recede at moderately high levels of national income. Et les inégalités de revenus, l'écart va être plus important et va même dépasser le niveau du taux national. And lastly, there is the liberty trade-off. Et il y a encore l'équilibre des libertés. Civil and political rights may actually work to disrupt a state's development plan. Civil and political rights may disrupt a state's development plan. Le plan de développement d'un État peut être interrompu par les exigences des droits civiques et politiques. And this is because elected officials may feel the need to do what is popular than what is necessary if they're going to keep their position. Et parce que souvent les gens qui sont élus vont jouer les cartes électoralistes de faire ce qui est populaire, en effet, ce qui est bon. Hence, we go back to this concept of trusteeship and profiles of courage. Et là, nous avons cette dilemme des gens qui ont été ceux qui ont déposé confiance et ceux qui ont mis la confiance en eux. Now, ideally, all three of these trade-offs are deemed to be temporary and self-correcting. Mais normalement, ces trois équilibres dont j'ai parlé peuvent être autocorrectifs. But as in a historical matter, there is a strong correlation between repression, political repression, and the early stages of economic growth and structural economic transformation. Il y a une vraie corrélation entre la répression politique et la croissance et le débit de la croissance économique dans la recherche de structural economic transformation. Dans la transformation de l'infrastructure économique d'un pays. So the role of markets further complicates the issue because markets systematically disadvantage some individuals to achieve the collective benefits of efficiency. Alors, le rôle du marché complique les choses parce que quand les gens voient le marché, ça prend que certains individus n'ont pas la chance de bénéficier dès lors qu'on poursuit le marché de ce qui est là. Is anybody aware of the term structural unemployment? Vous savez ce qu'on appelle le chômage structuré? Do you know what that means? Ça veut dire quoi? You have 90% unemployed, so that's an elimination. 90%? 90% are unemployed or underemployed, 10%. Okay, yes. Even in the United States, when the economy is booming, même aux États-Unis, quand l'économie est en train de faire le boom, there is going to be a certain number of people that are unemployed, even so. Il y aura un nombre de gens qui seront sans emploi malgré la force de l'économie. And that is because full employment in a market economy is virtually impossible. Parce que dans l'économie de marché, l'emploi au total est impossible. And the fact of the matter is that even in a commanded economy, full employment is actually a fiction. Et même dans les économies de commandement, avoir 100% des gens qui sont en emploi, c'est une fiction politique. So when I went to the former Soviet Union during the Brezhnev era,
quand je suis parti en Union soviétique, en URSS, il y a la période de... The Brezhnev era. Pendant l'époque de Brezhnev. The reality was that the way they achieved full employment was through underemployment. Le moyen qu'ils ont montré que tout le monde était employé en donnant des sous-emplois. And what that basically means is that if you need somebody to sweep the floor, two people take turns pushing the broom. Si vous voulez que quelqu'un pousse, nettoie les scies, vous mettez des personnes qui vont pousser les chariots. So then, one can never fully employ all citizens. Donc personne ne peut donner l'emploi à tout son peuple. And so ideally, under those circumstances, since necessarily there will always be losers in a market economy. Et ça veut dire que dans l'économie du marché, il y aura toujours des perdants. Who, for one reason or another, do not offer the necessary skill set for the available jobs. C'est qu'ils n'auront pas nécessairement les aptitudes pour les emplois disponibles. Even if they have great skill set for another set of jobs. Même s'ils avaient des formations pour autres genres d'emplois. So ideally then you should be providing them with basic goods and services to sustain them until there's a shift in the market that enables them to get a job. Normalement ce qu'on fait pendant qu'on voit que le marché change encore les exigences qui se retrouvent, vous devez leur donner les moyens nécessaires pour survivre. And this is called in the United States unemployment insurance. Et ceci s'appelle aux États-Unis l'assurance de non-emploi. But let us suppose that the market has undergone a drastic transformation as it has occurred in the United States. Et supposons que le marché est parti a subi des modifications tellement brutales comme arrivé aux États-Unis. One of the things that people keep claiming is that we want to restore basic industry, especially heavy industry, so that our blue-collar workers can go back to work. Un des problèmes que l'Amérique dit, nous voulons rentrer à l'industrie de l'industrie lourde pour que les gens qui étaient nos employés de l'industrie lourde aient de l'emploi, qu'on appelle le col bleu. Well, this is stuff of nonsense. Mais ça, c'est pratiquement quelque chose d'inutile. Because even as heavy industry jobs have moved offshore, même si nous avons exporté des emplois là qui étaient qui demandaient beaucoup de main d'œuvre, the computer and robotics revolution has been taking place as well. La révolution robotique.